On espère, on sait qu'on va gagner au final. Je ne voulais pas qu'il égalise, mais malheureusement, bon, on est là pour la Guinée et espérons qu'on va gagner, Inch'Allah. Et ça, parce que la victoire, ça va nous unir encore plus. Sortie de balle, zéro. Aucun titre cadré, zéro, sauf un pénalty cadeau. Sinon, c'est n'importe quoi. On avait une voix du bon football, mais je pense que la Guinée après nous en dit quoi. Bon. Très belle première période de la part du Congo et de la Guinée. Bon, j'espère que le Congo sera vainqueur à la fin. Et vous, qu'est-ce que vous pensez cette première période? Moi, je suis ivoirien, mais bon, en tout bout de coup d'honneur, j'aimerais jouer contre le Congo pour la demi-finale. Donc, sans vexer mes frères guinéens, bon match à vous et que les meilleurs gagnent. Là, évidemment, le Congo va gagner. Que Dieu vous bénisse. Oh, moi, je m'attendais à un match ouvert et j'étais satisfait. Personnellement, je suis supporter ivoirien. La qualité chez moi, c'est merveilleux. C'est beau de voir des belles équipes jouer au foot. Et on souhaite que le meilleur gagne. Voilà. Mais en tout cas, ceux qui vont croiser les éléphants, attention, va marcher sur vous. Et la vie, c'est comme d'habitude. Voilà. Le Congo, nous, on attend qu'on nous taque. Voilà. Nous, on nous attaque et puis nous, on se défend. Tu vois un peu, voilà, c'est notre système de jeu. Nous, on ne vient pas jouer. Nous, on laisse l'adversaire jouer et nous, maintenant, on vient en contre. C'est toujours comme ça. Mais Guinée, on connaît l'histoire depuis 70. Guinée ne nous a jamais gagné. Voilà, c'est toujours 2-1, 3-2, 2-1, 3-2. Comme d'habitude, et aujourd'hui, on fait la même chose. Même. La justice de Dieu, il y en a un beau calengui.